Hop là, bonjour la VOD. On récupère le grappin aujourd'hui. Enfin, j'espère. Et comme ça, on pourra s'amuser à faire toutes les antennes pour trouver les fameuses caisses du GRE, qui en général ont des choses assez sympas dedans. Et aujourd'hui, objectif du jour. Non, pas faire ça, Lilith. Objectif du jour, bien sûr, crafter la Cybermain 2177, qui nous demande 369 de ferraille. Voilà, donc objectif, avoir 369 de ferraille. C'est-à-dire que dès qu'on trouve un marchand, on lui achète sa ferraille. En gros. Bon, j'ai un point de compétence à mettre. Ah oui, en parcours. Saut lointain, ça peut être pas mal, je pense. Toucher V en sautant au-dessus d'un obstacle pour... What? Oh, le saut que ça fait! Oh, bah c'est bien ça. Ok. Salut Pelluchon. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on continue Dying Light. Et comme dit, aujourd'hui, on récupère... Ah, j'aurais pu prendre ça. On récupère le grappin. Donc techniquement, on aura accès aux antennes qui permettent, je le rappelle, d'utiliser un détecteur de caisse de GRE qui nous permet de récupérer des objets du GRE. Donc possiblement, du coup, des inhibiteurs en plus. Le GRE, c'est la société qui a aidé les gens au début de l'épidémie. Par exemple, dans le 1, le personnage qu'on incarne, Kyle Crane, il travaillait pour le GRE. C'est-à-dire qu'il était censé récupérer un vaccin. Ah bon, je vais pas pouvoir faire toute l'histoire, mais... Il était censé de base arriver là-dedans pour récupérer la recette pour créer un vaccin. Car le GRE se disait vouloir protéger les gens. Bon, en gros. Bon, finalement, on a appris qu'au final c'était des cons qui voulaient juste récupérer le virus pour en faire n'importe quoi. Mais voilà. Le GRE, c'est... Alors, si tu veux comparer ça au vrai monde, le GRE, c'est... Comment ça s'appelle? Big Pharma? Dans le monde réel, actuellement. Mais après, Big Pharma, c'est des bons gars. C'est juste que dans ce jeu-là, c'est des cons. Brasserie, ouais, c'est bien. Attends, mais c'est où que je dois aller? Peut-être là-haut. C'est quoi cette zone? Par contre, c'est bon, le jeu est beaucoup plus éclairé qu'avant. J'ai l'impression que la lumière, elle réfléchit tellement mieux. Non mais putain, mais non mais, pas ça. Bah, really. Woo. Suivant. Woo. Merde. Ah non, faut pas que je gaspille ça, moi. C'est genre l'OMS, ouais, si tu veux. Hein. Ça. Ah mais c'est encore cette zone de con. Il faut que j'arrête de venir ici, moi. Attends. Ah mais il est en bas, ok. D'un point de vue complotiste, ouais, ça serait Big Pharma, Big Brother. Ouais, c'est ça. C'est Big Pharma, mais qui a mal tourné. On peut dire ça, en vrai. C'est Big Pharma, mais qui a mal tourné. Ok. Donc ouais, en gros, le plus intéressant à faire, ça va être surtout de faire la quête principale. Car cette quête principale nous donne du coup ceci, le grappin, qui permet du coup de jouer Spider-Man si vous voulez. Qui du coup, en récupérant cette petite chose, nous permet d'avoir accès à... faut que je zoome pour les voir. Elles sont où? Ça nous donne accès à des antennes qu'on pourra relancer, mais... Bizarrement, je sais pas pourquoi je les vois pas sur la carte, je dois être aveugle. En gros, c'est des antennes... Ou alors, ah, ça va peut-être retirer les icônes. Peut-être qu'ils ont arrêté la mise à jour, ça va peut-être niquer les icônes. Des antennes qui permettent d'augmenter le signal pour... Hop. Inventaire. Pour le détecteur du GRE, comme dit, qui est une technologie qui permet de découvrir la position des inhibiteurs. Donc en gros, ça nous permettra d'avoir les inhibiteurs de beaucoup plus loin. Sachant qu'on les voit de 50 mètres pour l'instant. Là, on pourra peut-être les voir de beaucoup plus loin. Et il faut du coup activer des tours radio pour ça. C'est pour ça que cette quête va être assez intéressante. En quête, j'ai quoi? J'ai coursier. Ah oui, il faut que j'essaye de convaincre machin.
Ça, du coup, c'est la quête principale qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Blanc comme le cristal, d'accord. Oui, du coup, on s'est amusé à se balader par ici. Et ah oui, regardez, ici il y avait une antenne. Et du coup, l'emplacement a été retiré. Ah, c'est intéressant ça. Enfin, c'est intéressant, c'est bizarre, mais ok. Donc on s'amusait à aller là-dedans, qui est une zone de endgame, qui était bien, bien équipée en stuff, on va pas se mentir. Il y a ça qu'il faudrait qu'on récupère. On a récupéré l'easter egg ici, du coup, pour ceux qui se rappellent. Le parachutage. Il faudrait surtout que je fasse beaucoup de parachutage pour trouver... Il faudrait que je trouve des parachutages pour trouver de la technologie militaire pour améliorer, du coup, je pense, le grappin. C'est pour ça qu'il faudrait que j'essaie de le faire le plus rapidement possible. Parce que... J'aimerais bien avoir de la réserve. Justement pour ça. Ah mais c'est encore une cavité c'est encore une cavité de nuit ça. Merci Volcom pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci bien. Bon, on va aller en bas hein, puisque le pont il est en bas. Voilà. Mais c'est pas ça que je voulais forcément trouver. Donc ouais, ce serait bien que je trouve 2-3 parachutages pour avoir de la technologie militaire d'avance. Pour du coup nous permettre, comme j'ai dit, en fait, je pense que le grappin sera améliorable pour la distance, pour l'utilisation, un peu comme dans le 1. Mais faut qu'on trouve ça. Ah, c'est un... Ok, c'est un convoi. Ça va, les gars? Avant, je pensais qu'il y avait rien de pire que les infectés. Mais quand je vois les renégats... Salut, soldat! Bah, tu disais quoi? Vas-y, vas-y, dis-les, dis. Rien, j'ai fait un low kick à un zombie, y a pas de malaise. Ouais, dans ce jeu, les zombies dorment tout le temps. Parce qu'ils sont plus actifs la nuit. Ce qui en soi est logique. C'est juste que maintenant, le jeu est devenu logique. Fun fact. Fun fact, c'est quoi ça? Ah, une distraction. D'accord. Ah, c'est une distraction en mode les zombies, ils voient ça, ils sont en mode ils ont envie de le croquer, quoi. Ok. Ouais, c'est pas con. C'est là que c'est le day. Donc bon, voilà voilà. Faudrait surtout que je fasse pas mal de recherches. En fait je pense que là ce que faut que je fasse, c'est que je fasse la quête. Qu'on avance dans l'histoire, que je débloque. Mais c'est encore une cavité, mais j'en ai marre. Qu'on débloque le grappin. Et ensuite qu'on récupère de quoi l'améliorer à donf. Pour se faire le plaisir. Évidemment. Évidemment. Et bonjour à tous les gens qui arrivent. Bonjour. Oh, un parachutage. Bah tiens, parfait. Quand on parle du loup. Hop. Attention, parce qu'un parachutage en pleine ville, à mon avis, on va pas en croiser des milliards. Hein. On fait la technique, bien sûr. Déjà, on est arrivé là, c'est bien. Ah, mais je peux grimper tout là-haut. Let's go. Bah, en soi, c'est marqué dans récompense de quête que je l'ai au prochain. Enfin, en récompense de la prochaine quête principale, pardon. Donc, en vrai, no worries. Hein. Et bam, le parachutage. Voilà, ça c'est gratuit ça. Paf, paf. Des grenades maison, des barres UV. Oh, des barres UV légendaires, ça c'est bien ça. Et surtout évidemment, la technologie militaire qu'on est venu chercher bien sûr. Voilà, parfait. Et comme dit, du coup la technologie militaire ça sert à améliorer. Et du coup le parachute par exemple, ça servira à améliorer le grappin si on peut l'améliorer. Etc, etc. En gros. En gros, c'est ça. C'est le Norskel. C'est le Choucalibou. Hop là. On prend un peu de temps.
On remonte et boum. Non, j'ai raté. C'est pas un bon bail. Ah merde. Merde. Ah vas-y, gratte le mur, voilà, parfait. Ah, tranquille. Oh really? Mais c'est en bas je pense. Hmm. Si en montant ça m'amène à rien, c'est que c'est en bas. Salut agent télécom. C'est là dans l'histoire principale. Je vais avoir le grappin. Donc si ça te dit rien, c'est que sûrement que c'est un truc que t'as pas fait. La tour VNC. Ça te dit un truc la tour VNC? Sinon bah non, faut pas que tu restes. Si tu as pas de spoil. Tac. On va juste vite fait aller voir si l'inhibiteur il est chopable. Ah non mais c'est une anomalie. Ok. Bon ça se fait en vrai hein. Oui. Bah, c'était ouvert pendant toute la matinée, t'es pas sorti. Vraiment que tu vas sortir maintenant? Ah ce chat. Ça je me fais... Ah petite crise. Si c'est good, ok. Je me fais chier à avoir froid toute la journée pour qu'elle ait accès à l'extérieur, elle sort pas. Et dès que je ferme la fenêtre et que je stream, elle veut sortir. Non mais dis-le si je te dérange, dis-le hein. Enfin, non, tu t'embêtes pas, je le sais. T'embêtes pas, Lily, je le sais. Ah, petite anomalie du GRE. Oh, ça va être dur les anomalies hein. Parce que je vous rappelle qu'en plus on a chopé une arme qui était pas très forte la dernière fois. J'espère que ça va bien se passer hein. Oh non, oh non, une anomalie. Bouit, bouit, bouit. Merde, j'ai pas rechargé. Bouit, 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 bouit. Oh, c'était dur l'anomalie hein. Ouh. Oh la vache. Ah, un smartphone. Wouh. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu, l'arbalète est complètement pétée dans le jeu hein. Mais bon, d'un côté, on en a déjà fait plein des fights contre des anomalies, donc c'est pas dérangeant d'un côté, ça fait gagner du temps. Deux inhibiteurs, parfait. C'est un gain de temps. Voyons-le comme un gain de temps. En plus, les carreaux, ils sont tellement pas chers à faire. Oh ! Faut juste que je retrouve des plumes. Dès qu'on trouve des zones, vous savez, sur les toits avec le miel et tout, faut que je trouve des plumes. Principalement des plumes et du miel finalement il me faut... Enfin pas du miel pardon, des plumes et de la ferraille pardon. Il me faut principalement ça. Ah putain, y'a un parachutage ici. Parapente requis, bon ça y'a pas de soucis. Mais c'est où exactement? Ah c'est loin quand même hein. Ah c'est loin quand même hein. Ah c'est un peu... Ah c'est un peu où quoi. Je sais même pas ce que tu veux. Pour moi tu fais que râler là en fait. Donc forcément... Excusez-moi, j'ai un chat qui miaule à la mort donc je sais pas ce qu'elle veut. Eh bah donc deux crises. Eh bah, t'as eu un chauve. Mais ça veut dire quoi? Non mais ça m'aide pas. Elle est marrante. Elle est marrante, elle fait que ouin ouin mais on comprend pas ce qu'elle veut. Ouais c'est un peu haut quand même hein. C'est un peu haut Ah mais faut pas que je parte de la tour VNC pour la voir ça. J'ai l'impression hein. J'attends le moment où j'aurai tout à faire. Let's go. Salut les bros. Est-ce que j'ai de quoi me faire quelques carreaux quand même? Parce que s'il y a un boss c'est bien que j'ai de quoi faire. Je crois pas. Ah si, je peux faire 10 carreaux, ouais. Après ça coûte de la ferraille, c'est dommage mais bon c'est pas... Trop calme, ça me stresse. Ah excuse-moi frérot. Ça se passe trop bien. C'est pas normal. Je vais voler vers le petit moulin. Il y a une safe zone ici? Ah oui. Mais bon on y va.
Si le jeu me l'offre, moi je prends. Hein. Oh really? Et donc il y en a des conteneurs d'inhibiteurs. Nice. Pas de plume? Pas de plume. Conteneur d'inhibiteur détecté, c'est-à-dire par là? Ça a l'air d'être par là. Ah, dans une cavité sombre. Chiant. Je peux marquer un truc ici ou pas? Je peux pas marquer. Dommage qu'on puisse pas mettre des petites légendes pour dire genre là inhibiteur ou quoi. Et je peux aller chercher maintenant. Partons vers de nouvelles aventures. Hein. C'est bon. Ça va mon chat? Ça va mon chat? Ouais ça va. Je pensais pouvoir seulement faire confiance au pacificateur. Oui, oui, oui. Mais tu m'as sauvé. Merci. Eh ben. Mon chat. De rien, un plaisir. Merde, pas assez de hauteur. Bon allez. Oh mais attends, mais il y a un énorme flux d'air pour aller vers... Oh mais attends. Attends, attends, attends un petit peu là. Bob Chittins. Les rêves sont... Ouais. Il y a un énorme flux d'air ici. On peut s'en servir ou pas? J'ai pas l'impression. Non, on peut pas s'en servir. Ah si. Non. Conteneur d'inhibiteur détecté. Oh oui. Ah, c'était pas par là du coup. Conteneur d'inhibiteur détecté. Mais dans la tour? Ça a l'air. Là? Ouais, là. Mais je fais comment pour entrer? Ok, bah j'ouvre la porte. Très bien. Ça va Un peu de bordel pour vous hein. Un marteau tomahawk. Dans Assassin's Creed, quand Ezio prend le tomahawk. Nice. Amélioration du coup. Nice. Très bien. On prend ça. C'est quoi de beau? Un kit de soins légendaires et un masque de terrain, ok. C'est pas mal ces petites zones du GRE là. Ils sont pas mal hein. Une veste usée légendaire. Le problème c'est que j'ai des objets niveau 8 déjà donc... Y a pas réellement d'utilité à prendre ça. Mais bon. Allez. Ah, faut aller en haut. Ah ouais mais bon les gars... La gueule. Bon oh, attendez je vais la faire sortir parce que... Ah bon non. Regardez le chat est là. Quand le chat se met sur le canapé c'est qu'elle ne veut pas sortir, c'est juste qu'elle me fait chier. Fun fact. Il paraît que Matt et les autres se sont entretenus en secret à la cantine. Il se trame quelque chose. Mais non faut pas se dire ça. Hop. Je fais comment pour grimper moi? Il y a un autre chemin? Ah oui là. Plus simple que ça c'est pas possible. Hein. C'est le grappin avec une quête ou c'est avec les compétences? Avec une quête. Celle que je vais faire juste là. Oula, petite paire de FPS. Tu chiales mec? Je chiale pas, va chier. Ce qu'on manque c'est tout, ok? Je peux me joindre à vous? Fais comme chez toi. Let's go! Comment tu sens la mission Aiden? Avec mon nez principalement et j'en chie dans mon froc. Franchement, je suis pas super optimiste. C'est assez pourri, c'est vrai. Mais le lieutenant Rove est toujours là pour nous sauver les miches, hein? Sympa les bottes. Ah, sympa tes bottes. Petit changement de sujet. Oh, merci, je les ai trouvées au bazar.
Et pas cher en plus. Oh non, pourquoi t'as fait ça? Il va plus s'arrêter maintenant. Let's go. Ouais, il a troqué son couteau de pacificateur pour les avoir. Quand Rove l'a su. Corvette chiotte pendant une semaine. Mais ça valait le coup, hein. J'ai aussi repéré une chouette veste, au même endroit. Elle est encore un peu chère pour moi. Mais avec cette mission, j'aurai bientôt de quoi me la payer. Let's go. T'as pas bientôt fini. On s'en cogne de ta garde-robe. T'es juste jaloux parce que t'as l'air d'un cul. Et que c'est moi qui ai celui de ta mère, ouais. Elle est trop marrant. À moi de vous, les gars. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire après tout ça? Retrouver ma femme, Marcia. Mais j'ai pas ce qu'il faut, Big Golden. Il faut 369 de ferraille, j'en ai pas 369. T'inquiète pas, c'est prévu. Et je crois que j'ai mais ça coûte cher en ferraille. Quelque chose. Tu vois? Je t'avais bien dit que quelqu'un viendrait pour te filer un coup de main. C'est pas un marrant, Rove. Tu m'étonnes. Ouais. Tu connais l'histoire? T'as vu les brûlures sur son cou et son visage? J'étais là quand il a foncé dans une zone sombre en flammes pour en tirer un soldat. Ouais, il est pas toujours baisant, mais... Il y en a pas beaucoup qui... J'ai cru qu'il avait dit baisant. C'est clair. Il est pas toujours baisant, bah en même temps... Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Rove? Sur la dispute entre lui et Matt? Ouais, c'était l'horreur. L'escouade 101 avait pareil, pouvoir on est d'accord. Reprendre okay. Le vieil entrepôt de la ville. Ils pensaient que c'était vide avant d'entrer. Et ils ont allumé leur lampe torche, et ils ont levé le nez. Le plafond était bizarre. C'était plein de tas de fringues dégueux. Et les fringues leur sont tombées dessus. Une putain de nouvelle race d'infectés. Oh non. Ils s'accrochent au mur et au plafond. Il y en avait des centaines. Bordel. On a entendu les gars gueuler à des kilomètres. Putain. Imagine le tableau. Ils ont contacté le commandement par radio. On leur a dit de tenir leur position. Mais ils se sont tirés. Enfin, ceux qui pouvaient encore le faire. Après ça, Jack a ordonné qu'ils soient exécutés. C'était des déserteurs. Mais Rove s'y est opposé. En ajoutant que c'était une erreur de les avoir envoyés là-bas. On a cru que Jack allait faire exécuter Rove pour insubordination. D'accord. Ça, c'est clair. Allez, bonne nuit. Ok. C'est le moment de se reposer les yeux. Un instant, messieurs. Oh non! Un petit quelque chose pour la nuit. Waouh! Trop fort, lieutenant. Oh, une bouteille. À nos camarades disparus. Non. Je ne bois pas avant la mission. Ça va pour moi, merci. Je vais pas te forcer. Ouais bah je vous laisse. Hein. Ah bah je sais bien. Vous vous en sortez les gars? Oui lieutenant. On a connu pire hein. Vous vous souvenez les rapaces sur le vieux port? Ouais. Sur le vieux port. Ouais, avec les cagoles. Encore une bonne histoire à raconter à nos. Mais bon on est en France. Ouais. Et comment chef? Il y a un truc qui m'emmerde, Aiden. Les renégats. Quoi, les renégats? Ils sont partout. Ils se répandent dans les rues comme des cafards. Mais ici, la plus grosse antenne de la ville, un point stratégique, et pas un renégat en vue. Ah, enfin un peu de logique c'est dans ces... C'est pas comme s'il y avait une logique dans leur truc. C'est pas faux. Pour commencer, bah, savoir, quelqu'un remet le courant. Pourquoi? Ensuite, j'ai interrogé un officier renégat. Il m'a sorti un truc sur des installations du GRE qu'il serait en train de chercher. Bah tiens. J'ai pas pigé grand chose. Il a parlé du X-13 ou un truc comme ça. Je me demande bien ce qu'il trafique. X-13. J'en ai déjà entendu parler. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as appris? Je sais que Wall est aussi sur le coup. Ah oui, une c'est idée ça. De sa position. Ouais, si ça existe vraiment, il pourrait s'agir d'un complexe du GRE. Top secret, super bien caché. Quand on en aura fini avec cette saloperie, on pourra peut-être essayer de découvrir ce que c'est. Mais pour l'instant, va dormir un peu. Les infectés nous préfèrent quand on est bien reposé. C'est sûr. C'est chouette, ça. Continue. C'est sûr. Ah, eh ben. C'est le Queen of Fool, c'est le Natel. C'est la veuve de Chris Pratt. Il me semble, ouais. Il me semble. C'est ce que les gens disaient. Aiden. Le Big Boss est là, en route. Bah ça va. Matt, t'as apporté l'émetteur? Bien au chaud dans ma poche. Bien au chaud dans mon fut. Alors,
Bon allez, c'est parti. La fameuse mission qu'il va falloir faire. Tu veux qu'on grimpe tous là-dedans? Un peu trop cosy, non? Ah, qui va connaître? Pourquoi faut charger? Voilà un endroit. Ah, le jeu est en train de te dire, tu peux y aller, mais. Mais attends un peu, regarde un petit peu autour, peut-être, on sait jamais. Je me casse! Bon, faut y aller. Hein, quoi? Non, mais j'arrive, c'est bon, excusez-moi, pas besoin de m'insulter, c'est bon, on déconne au bout d'un moment, merde. Aiden, tu t'en sors super bien. Ouais. Je repars, hein. Je laisse la cinématique. Hein. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. J'ai reçu des infos concernant un toubib du GRE. Qui ça? Où? Il me faut du temps. Finissons d'abord le boulot ici. Toi et les gars, grimpez au sommet de la tour et installez l'émetteur. Rove sera avec moi, en bas. J'y vais aussi. Rove, tu remets ça? Vraiment? On a un plan. Le plan, je l'emmerde, on sait pas ce qu'il y a. Let's go! Hors de question qu'ils y aillent seuls. Le plan, tu l'emmerdes? Je perdrai pas une autre équipe. Tu sais que je dois y aller. T'as intérêt de revenir, putain. T'as compris? Oui, chef. Oui, Bébou. Si t'as besoin d'être... Je t'emmerderai en entier, Bébou. Tu me contactes par radio. Oh non, Matt. Ça va, au boulot. Chef, tout va bien? Allez, en route. Oh non. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Adieu. Oh, l'ambiance est folle par contre. Oh non, l'ascenseur qui galère. Avec la musique. Les gars, je vous raconte une blague? Non, Wersbowski. Bordel. Ah, oh, je t'en supplie, mec, je te file mon dernier slip propre si tu nous épargnes de ta blague de merde. Ah oui, quand même. On se calme, messieurs. Ah. Désolé, boss. Je dirais rien. Le plan, c'est moi, le plan. Ah bah oui, Rove, c'est vrai qu'il a... Il a le charisme d'un plan, ça c'est sûr. Ça fait comme ça. Tous les mecs qui sont dans leur rythme, ça me fume. Lumière rouge, ambiance tamisée, ambiance stressante. Commandant, qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur s'est arrêté. Instabilité du réseau, c'est un gros bâtiment, on s'en occupe. Oh l'arnaque. Je sens pas le Jack Matt là. Je sens pas du tout. Ok les gars, il va falloir un peu de temps pour réparer. Et on en a pas, on va y aller à pied. Vous êtes à quel étage? 30ème. Il en reste donc 50, jusqu'en haut. Oh let's go. Allez les gars, vous avez entendu le commandant. Ouvrez-moi ça et en route. C'est étonnant quand même, le commandant il reste en bas. Et l'ascenseur il bloque. Instabilité du réseau comme il dit, ouais. Oh, ça va être infecté de... Wersbowski, en reconnaissance. Ça va être infecté de ravageurs. Au revoir Wersbowski, t'aurais dû faire ta blague je pense. Parce qu'on va pas, on va pas trop voir je pense. Bleh. Petit bruit. Attention, cri, croc. Cri de douleur. Dans 3, 2, 1. Ah non, c'est bon. Ça va très mal se passer. Hein. C'est sûr et certain. Wersbowski, fais gaffe. Attention, attaque. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, les gars. Attaque. Voilà. Hop là! Eh oui! Wersbowski aurait dû. Wersbowski aurait dû faire sa blague puisqu'il est mort, ça y est. C'est fou, j'ai réussi à pré-shot l'histoire, c'est fou non? Tu l'as déjà fait? Non, c'était juste que le scénario est assez. On voit ça assez souvent. T'envoies un mec en reconnaissance, il fait c'est bon les gars, y'a rien! Et il meurt 2 secondes après. Littéralement, ce qui vient de se passer. Oh, X. Attends, est-ce qu'il faut que je lise les plaques? Parce que je rappelle quand même, la dernière fois, on a chopé une plaque. Je rappelle, hein, au cas où. On a chopé une plaque la dernière fois, c'était ça. Hein. Au cas où. Et l'autre, c'est quoi du coup? X Dwayne. Non, y a pas de lore là-dessus.
Boomers. Boomers. Mais du coup, ouais, ça m'étonne pas trop. Chris Redfield, c'est pas dans Resident Evil. Si, si. Tout à fait. Et au moment où on le récupère, il est avec un gars qui s'appelle Léon. Moi, après un bon McDo. Me after a good McDo. Raté, raté, nul. T'es dans Alien apparemment. Sérieux? Ça c'est incroyable par contre. Bah du coup faites vos recherches hein. Ick Dwayne, si c'est un truc par rapport à voir Alien, c'est incroyable. Ça veut dire que tous les mecs ont un rapport avec Alien ou quoi, c'est trop bien. Voilà, là il y a quelque chose. Mais d'abord cherchons les survivants. Bordel de merde. Alien vs Predator, d'accord. Hudson. Est-ce que ça va être Alien vs Predator aussi du coup? William Hudson. Ah, attends. Parce que moi si c'est ça, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. C'est trop trop bien. Mon téléphone, comment il décède, bordel, faut vraiment que j'en rachète un. Hudson William. À part un mec qui fait de la quinage, quoi, je vois pas grand chose d'autre. Hein. Idem, c'est aussi dans Alien vs Predator. Ah, donc tous les gars qui vont être là, finalement, ça va être des références à Alien vs Predator. En gros. Oh non. La plaque. Oh non. Ah, Verbovski, bien sûr. Verbovski. Bah, Verbovski s'est pris un truc explosif en pleine gueule, donc forcément. Par contre, Werbowski, je pense que si il y avait un truc en rapport, on l'aurait déjà vu. Trevor Werbowski. Ah mais si, bordel. Dans Alien aussi, ouais. Mais what the fuck? Sérieux? Mais quoi? Mais tous les mecs, c'est des références à des gars de Alien vs Predator, c'est incroyable. Hudson et Werbowski, ouais, c'est ça. Ok. Putain, incroyable. Ah, oh, c'est fou. En vrai, je trouve ça trop bien. C'est vraiment Jack. Des... Allez, Jack, t'es là? C'est le détail qui sert à rien, mais qui fait plaisir. Hein. Une attaque. Il reste que moi. Putain, non. Bérove. Je sais pas. Je le vois pas. Ah, oh, c'est fou. Aiden. Rove avait l'émetteur. Trouve-le. C'est notre dernière chance. C'est pas le moment de pleurer. C'est quoi? Bah on s'est il fait attaquer. L'ascenseur s'est bloqué et on s'est fait attaquer par des zombies. Je vais faire ce que je peux. Il est là, regarde. Trust, il est là. Boum. Regarde, il y a du son ici. Je vais vous crever, bande d'enfoirés. Je vais tous vous crever. Il est mort hein. Aiden. Non. Tu t'en es sorti. Bah ouais mon gars. Je croyais que t'étais mort. Mes couilles, ouais. Bah. Tu vas t'en tirer, Rove. Tiens bon. Oh, c'est ça, ouais. L'émetteur. Matt a dit que tu l'avais. Je l'ai, ouais. Le père pas, Aiden. Le père pas. Aiden. Je crois que t'auras jamais ta médaille en patate. Hein? Vous me retirez ma promotion, lieutenant? Oh, la ferme. Mais... Oh, nos plaques. Je veux pas qu'on oublie, mes gars. Si tu trouves un corps, récupère sa plaque. Oh, il le mérite, fiston. Tiens. L'émetteur. Vous inquiétez pas, Rove. Ah, au niveau des couilles? Ah non, c'est bon. Vous inquiétez pas, Rove, tout votre escouade d'aliens versus Predator a été récupéré. Rove, il va s'en sortir. Non, il est décédé. Ah, j'aurais dû la boire, sa bouteille, merde. Lawan, je suis dans la merde. Les pacificateurs sont tous morts.
Oh. Je t'avais prévenu, je te jure que si tu meurs, je trouverai un moyen de réanimer ta sale carcasse juste pour te buter moi-même. Épargne-moi la leçon, ok? Tu veux bien descendre de là? Je vais pas descendre. Je dois monter davantage. Je vais trouver un moyen de monter. Très bien. J'attendrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup il y a plein de zombies? Ok. Bon bah... F pour notre boss à tous. Putain, en fait, je crois que j'ai oublié la plaque de Léon. Je suis trop deg. J'ai pas la plaque de Léon. Bon, lieutenant Rov, du coup, il y a rien de spécial. Ah, je suis deg, j'ai pas la plaque de Léon, du coup. Ok. Vas-y, fonce, mon grand, fonce. T'as pas beaucoup d'endurance. Aïe 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 aïe. Bah du coup j'ai pas la plaque de Léon. Ou alors je serai peut-être... Ouais, ou je serai dans une quête plus tard alors. Ok. Bah, c'est vrai qu'on a pas rencontré d'autres Léons donc forcément. Merde. Nice. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça alors que j'aurais pu grimper depuis ici je pense. Oui, y'a une caisse là-bas. Est-ce que je peux tenter de l'avoir? Non. Non, il y a une caisse. Moi, je la veux, la caisse. Oh, attends. Ah, alors, attendez. Prenons cette porte au cas où. Oh non, la porte, elle est fermée. C'est bloqué. Je vais devoir trouver un autre passage. Coincé ici, la One. Oh merde. Je vais chercher Franck. Grouille-toi. Hop là! Et dégage! Je suppose, hein. Mais on est où là? Il y a une caisse en face, je vais la récupérer. Ah, mais attends, je suis con, moi. Lawan! Lawan! Est-ce que t'as eu Franck? Ok. Mauvaise façon de faire. Lawan! Me laisse pas ici! Ouais! Wouh! Ok! Transformation! Oh, ça fait du bien! Énerve-toi! C'est ça, énerve-toi! Énerve-toi, mon petit gars! Voilà! Oh. Eh ben, ça fait du bien! Exactement, Moku. Exactement. On est en train de nous dire que la One va essayer de motiver un mec qui nous aime pas, qui est full bourré à H24. Ouais. Mais tranquille. Tranquille. Aiden ? Aiden ! J'ai trouvé Franck. Enfin, ce qu'il en reste. Aiden, t'es où ? Au 30e étage. Les infectés, ils ont explosé. Putain. Attends! Où est-ce que tu vas? C'est terminé pour lui, Lawan. Désolé. C'est ici que j'ai perdu tous mes traces. Ça, c'est un good guy, ça. Hors de question, ça recommence. Ça, c'est un bon gars, ça. Il est pas encore mort. Par contre, le stuff. Il est là-bas et il a besoin de toi. Stonks. Il a surtout besoin stonks, d'un cercueil. Stonks. Espèce de vieille garde pourrie d'alcoolique. Pourquoi tu ne bouges pas la couenne pour une fois? Parce que c'est une merde. Stonks. Oh yo, Stonks. Un ou deux étages au-dessus de toi. Let's go. Y'a quoi de beau ici? D'accord. Ah, ça m'a passé le tournoi hier. Ouais, j'ai fait 5ème. J'ai terminé 5ème sur... Y'a combien de participants? 300. Donc c'est bien. C'est bien. Ça fait plaisir. Après, le mec devant moi était inchoppable, c'est-à-dire que bon, c'était. Le mec était vraiment ingérable en face de moi, quoi. Mais c'est bien!
Par contre, j'ai des petites pertes de FPS de temps en temps, je sais pas si vous les ressentez. Moi, je les ressens bien en tout cas. Mais ça va. Combien de points 616 sur 720. Par contre, la caisse là-bas, elle me fait trop de l'œil, hein, je suis désolé. Hein. Putain. Ok. Faut pas que je remonte trop parce que sinon c'est impossible. Mais ouais, je vais vous faire chier jusqu'à temps que j'ai la caisse. Hein. C'est quoi de boss Super Saiyan? De ce qu'on en comprend, c'est sûrement à cause des expériences que notre perso a vécues quand il était gamin. Notre perso a subi des expériences scientifiques. Putain de merde! Des expériences scientifiques quand c'était un gosse. Et le méchant du jeu qui s'appelle Waltz avait ce pouvoir aussi. Donc c'est pas impossible que ça soit les expériences que on nous ait, enfin que le perso a subi quand c'était un gamin. Non mais c'est pas ça que je voulais que je fasse. Comment je fais pour courir sur le mur? Ah. Merde, j'ai raté. Ok. Non mais il y a une caisse, je peux pas la laisser. Pour l'occasion de l'avoir après. Non, je m'en fous. Tu m'en fous. Y a pas de après. Je l'ai maintenant. Point. Voilà. Bonjour à tous. T'as donné un conseil pour le coffre? Non, t'inquiète, regarde. Est-ce que je devais être par là? Est-ce que je suis pas allé trop vite pour le jeu là? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression que c'est un truc à part. Hein. Je dois aller là moi, mais ou alors c'est la suite. Ah mais on va avoir le grappin, non? C'est pas genre on va récupérer le grappin dans les affaires de l'autre con? Je crois que c'est ça. Let's go! Voilà. Vous voyez? Le plus important dans cette histoire, c'est qu'il faut avoir de la détermination. J'en ai eu, et j'ai eu la caisse. J'ai des points de compétences non utilisés? Ah ouais. Tenter le fracas. Bon ouais. Hein. C'est pas grand chose en combat qui m'intéresse. Hein. Et voilà. Hop là. Beau gosse. Accroche-toi. Voilà. Ça sert à rien ce que je fais. Ok. Descends. S'il te plaît, Eden. Merci. Après 6 heures de tryhard, tu l'as fait. 6 heures de tryhard, non mais l'abus. Ça va les Américains? Bah. Ah! Is that a grappine? Nice! Franck, je l'ai trouvé. Mais connard, c'est un grappin, bordel! Un grappin. Un lanceur de cordes. Un quoi? Ça t'aidera à grimper. Vise un truc auquel l'attacher et tire. Essaie d'accéder à la terrasse avec. Et préviens-moi quand il sera. Ok. Ah, le grappin! Ah, ça fait bien. Et on peut l'améliorer le grappin, exactement. On est d'accord. Grappin, donc vous avez reçu le grappin. Le grappin peut s'accrocher à toutes ces surfaces, machin. Pour équiper le grappin depuis l'onglet accessoire, sectionnez la molette vers le bas, visez et appuyez sur F pour balancer. On est d'accord. Ok, du classico quoi. Du classico. On va mettre ça. Let's go! Oh oui! Ah d'accord, ok. D'accord. J'ai vraiment besoin d'un grappin pour faire ça, vraiment? Ok, ça marche. Non mais ok, ça marche, moi je... Non mais ok. Moi je l'ai fait au... Je crois que je commence à avoir le coup de main. Je l'ai fait au parachute, hein. Ouais, c'est simple. Mais ça peut te sauver les miches. On va où maintenant? Toujours par
pareil, Aiden. Tu montes. Tu dois monter d'un étage. De là, tu rejoindras l'aile secondaire. Ah d'accord. L'aile secondaire ? La principale crew est infectée. Allez, t'as plusieurs niveaux à grimper. Y'a rien en bas ? Bon, j'y suis. Hein. Le coffre, mais je l'ai pris le coffre. Ah mais les gars, vous suivez pas. Alors, justement, j'ai passé 10 minutes à essayer de l'avoir sans le grappin. Non. Bah oui. Du coup. Wouh. Wahey. Mais putain, c'est pas vrai. Allô. Allô. On peut arrêter de me casser la gueule gratos comme ça. Moi, je suis là, j'essaie de jouer et on me casse la gueule en boucle. C'est un scandale. Mais ça va les Américains là? Ça va? Les Américains du chat. Oh! C'est le set. C'est le set, comment ça s'appelle déjà ce truc? Ah, it's Vince with Slap Shop. With ShamWow. Ah, ok, on peut pas. Non, mais je. Oh, ah, bah oui, mais bon. Je pensais qu'on pouvait faire comme dans le 1, c'est-à-dire utiliser le grappin pour faire exploser les boomers. Mais non. Je sais leur win, mais. Pas grave. Oh, let's go. Wouh! Oh, really? Vous savez comment parlez-vous? Après, j'avoue que le grappin est pas aussi. Pratique d'utilisation que dans le 1. J'avoue que t'es un peu réticent à t'en servir. Je sais pas si c'est clair, mais en vrai, c'est ça. Et en vrai, c'est pas un grappin comme on a dans le 1. Dans le 1, le grappin, tu pouvais. Enfin, ça. Est-ce qu'on pouvait vraiment appeler ça un grappin dans le 1? Parce que tu peux juste t'en servir pour te balancer. Alors que dans le 1, vraiment, ça t'attirait vers là où tu l'avais mis, quoi. T'es en facile ou quoi? Je suis en normal. Je suis en normal parce que jouer en difficile juste pour jouer en difficile, ça sert à rien. Est-ce que je vais vers l'inhibiteur au moins? Ouais. Il a aussi attiré. Bah après, faut l'améliorer, ça, je pense. Mais. Ah. Alors, où est-ce qu'il va être l'inhibiteur? Il est là. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Non! Oh, pitié! Non, je peux passer par l'ascenseur. Imagine cette tour. Ça fait des années que les gens ils essaient de rentrer dedans pour faire quoi que ce soit. Et toi, tu l'as fait en first try. S'il faut d'autres raisons d'expliquer qu'on est juste un alien en fait. Après, sur le creeper, je regarde pas d'animé donc j'ai pas la ref, mais sûrement. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ouais, juste là. Pardon, juste au-dessus. Oh damn. Oh le triple! Oh yo yo, c'est gratuit ça! Surtout que j'en ai deux des améliorations à faire. Montons à 300 de vie. Et remontons ça. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai besoin. J'ai autre chose à visiter ici? Non. Let's go! Attention, vu qu'il y a une porte. Je suis sur la terrasse. Évidemment. Cool. Tu vois mon resto? Ouais. C'est minuscule vu d'ici. Cool. Ouvre ton parapente, saute et vole jusqu'au fisheye. Non. On se retrouve là-bas. Non! Attends, quoi? Il est temps de mettre un terme à tout ça, Aiden. T'as un parapente? Sors de là quand tu peux. Non. Franck, je dois monter. T'as dit que tu m'aiderais. Aiden, des gars mieux entraînés que toi sont morts là-bas. Hors de question que je t'envoie dans la gueule du loup. Franck, je monte.
avec ou sans toi. À moins que tu sois trop bourré pour le comprendre. La One m'a dit pour ta sœur. Elle doit être morte alors qu'il est. Mais super! Mais pas toi. Descends et tu vivras. Je t'emmerde, Franck. Je monte. Terminé. Let's go. Ça c'est le bon add-on, ça. En même temps, Franck, Aiden, ce connard, tu cherches ta sœur, elle est morte, hein. C'est moi. Je te laisserai pas tomber. Tu parles à un homme mort, Lawan. Mais good J'arrive. Guy. Attends-moi. Tu quoi? Jamais de la vie, Lawan. Lawan? Ok. Donc comment je m'y prends? Il faut qu'on grimpe tout là-haut, I guess. Par contre c'est... Eh. Non mais en vrai. Ça va en vrai. Ça manque un peu de détails de loin. Mais c'est beau. Belle map en vrai. Hein. Très belle map je trouve. Hein. Très belle map. Ah hein. Ah. Comme ça on fait passer le machin ici et on pourra s'en servir pour ok, c'est ça. Très bien. La vue est mieux que dans GTA Trilogy. Bon, ça c'est pas compliqué en même temps. Mais du coup ouais, c'est pas le grappin du 1. C'est un lance-corde à balance quoi. Ah, plutôt appeler ça comme ça. Oui, c'est ça que tu peux passer sans l'activer après. Tout à fait hein, c'est... Et c'est pour te dire, regarde, tu peux utiliser le grappin si tu veux. C'est un peu pour te dire ça en fait, j'ai l'impression. Même là, regarde, ils sont en mode, ah, faut que tu fasses le fou. En vrai, je pense que si t'arrives à prendre assez de hauteur au bon endroit, tu peux utiliser le parachute et monter tout seul. Hein. Attends, j'ai envie d'essayer. Regarde, tu montes là. Il faut qu'on aille... Voilà, hop, t'arrives là. Tu fais ça. Ah, non, là, le jeu, il a dit fuck. Le jeu, il a dit fuck it. Tu grimpes pas. Ah bah, il m'a redit fuck it. Ça fait beaucoup de fuck it quand même. Hein. Mais la musique, par contre, est folle. Talabadabadum, talabadabadum, talabadabadum. J'ai envie de la faire sans grappin. Ah, j'ai peut-être menti en vrai. Bon allez, vas-y, fuck it, hop. On va pas y passer 3 ans. Merde. Le problème c'est que même avec le grappin, je comprends pas comment je... Ah bah. Ah mais là faut que j'ai un plan en fait, ok. Ouais. Hey. Oh là là, mais quel taf. Excuse-moi. Hein. Excusez-moi. Hein. Ok, bon bah faut faire avec le grappin alors. Un peu deg mais on fait avec. Quel taf, quel homme. Quel physique, quelle présence. Aiden quoi. Juste Aiden en fait. L'homme de la situation, c'est Aiden. Aiden. Moi je peux faire ça moi. Est-ce qu'il faut que... Ah. Alors je crois que c'est blindé ici. Ok, l'intérêt 2. Quoi? Je sais pas où je vais mais j'y vais. Apparemment ça a l'air d'être sympa par ici. D'accord. Ah en fait je devais passer là. Ah d'accord. D'accord. Ah en fait j'ai pris un cut. J'ai juste pris un cut en fait. Bon bah cut alors. Ah, en fait, on devait monter là. D'accord. C'est bon.
Ah mais tout s'explique. Ah, Boomer. Ah bien, il y en a du monde ici. C'est la fête. Merci Benji, pour le troisième mois, merci beaucoup. Voilà comment on nettoie un bâtiment. Pu, tac. Ok. Bon bah, le kit, hein, on va avancer, hein. En tout cas, lourd, hein, parce que les lumières UV qui sont allumées depuis plus de 10 ans, propre, hein. Tu t'en sors, Aiden? Je m'accroche, je saute, je grimpe, j'avance. Ça en vaut la peine. On est rien sans système de communication. Oh, j'ai envie d'aller là-bas et tout. Oh. Faut que je me retienne, hein. Enfin, structure instable, je rappelle quand même que y a des lumières UV qui sont allumées depuis plus de 10 ans quand même, hein. Donc bon, structure instable, mon cul, hein. Y a des mecs qui habitent là-dedans, c'est sûr, hein. On va pas me dire l'inverse, hein. Oui, c'est vrai que l'électricité a été redirigée tout ça. Tout ça, c'est ta faute. Vas-y, fais ta mission suicide. Vas-y, Franck, en... Mais l'embarque pas là-dedans. Franck, enkick-toi des bouteilles et foule-toi dans le cul tes bouteilles. Hein. C'est bon. Hein. Oublie, elle l'a coupé. J'ai dû trop ouvrir ma gueule et... Oh, merde. Oh. Bah oui, bah c'est ta faute. Les pacificateurs la laisseront pas entrer. Écoute, je suis presque en haut de toute façon. Même si elle arrive jusqu'ici, ce sera déjà terminé. T'es où? Au sommet de l'immeuble? Bah connard. Sale petit enfoiré. Je croyais pas que tu arriverais. Quoi, il croyait pas en nous? Putain de merde, tu vas le faire. Attends, vous êtes en train de dire qu'il croyait pas en moi? Alors ça vraiment. Alors là par contre. Là par contre c'est une révélation parce que pour moi depuis le début, genre il croyait en moi comme si j'étais son fils, quoi. Mais putain. Franck croyait pas en moi? What the fuck? Non, c'est pas... non, je pense qu'il y a une prank ou un truc comme ça parce que c'est pas possible. Non. On va pas me faire croire que Franck ne croyait pas en moi, c'est faux. Depuis le début qu'il m'a vu, il a dit toi tu vas prendre la tour tout seul. On l'a fait quand on était plus jeune, mais on n'a pas réussi. Mais toi tu vas arriver, tu vas tout faire. Moi c'est les mots qu'il avait dit, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Je peux pas croire que Franck m'ait dit ça à moi. Oh vache. Et toi, tu cherchais quoi au juste? Radio, nouvel espoir. Oh, une caisse. Imagine, des messages de paix et d'unité pour rassembler les gens, leur redonner l'espoir. Oula. Ouais. J'étais un peu du genre romantique quand j'étais jeune. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, et maintenant tu t'enfiles des bouteilles, quoi. Ouais. Mais c'est quoi cette tour? J'ai très peur avec le parcours dans ce jeu parce que... Let's go. Oula. C'est maintenant. Une erreur et c'est fini pour Aiden. Enfin quoi qu'il a le parachute mais... Mais le jeu nous dira que c'est fini pour Aiden. Au secours! Non! Aïe, c'est le fail!
Aïe 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 aïe. C'est le fail. Non, tranquille, tranquille. Allez, regardez. Non, Aiden. Aiden, you. Ah. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ah, je l'ai dit, hein, c'est... Mais en vrai, regardez. Regardez. Et c'est là que vous allez voir la puissance du bordel. Attention. Ok, on se repose tranquillement, on attend que ça se remette en place. Non ! Petit enculé devant ! Ah, quoique. Non, le vent me baise. Ah non, baisé par le vent. Pff, ça dégoûte. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, le jeu... Ils y ont pensé, les salauds, hein. Ils y ont pensé au mec qui pourrait brain avec le parachute, ils y ont pensé, hein. Mais je crois qu'ils ont pas pensé à tout. Vous savez pourquoi? Car c'est pas le jeu qui me baise, c'est moi qui le baise. Allez, quel taf. Voilà, de rien en fait. De rien. De rien pour ce gameplay. De rien, j'aime bien proposer des choses comme ça, j'avoue que ça fait plaisir. Alors, par contre là, alors que je me balance beaucoup. Peut-être repartir de l'autre côté parce que ça va pas là. Manque un peu de vitesse. T'es putain, mais donne. Ça va. Ah bon, je vais y aller à la... T'es grimpe? Mais grimpe tout! Aiden! Mais qu'est-ce que tu... What are you doing? You... Ah... Petit foutage de gueule là quand même. Petit foutage de gueule quand même. Oh, le vent anti-fraude, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ça te dégoûte. Ah, c'était là. Oh, le vent anti-fraude. Non, mais en vrai, c'est faisable. En vrai, c'est faisable. Je vais la tenter, m'en fous, je refais pas tout le derrière. Rien à battre. Rien à battre. Celui-là, Zaki. Après, si je voulais la jouer sérieux, j'aurais fait le parcours derrière classique, hein, mais j'ai pas envie. Là, on tente le beau jeu. On est là pour ça, après tout. Ouais, en vrai, le speedrun par contre peut être trop bien dans le jeu. Hein. De rien. Voilà, c'est bon. Mais de rien en fait, de rien, voilà, le gameplay est beau. Voilà. Mais comment ça 6 heures plus tard? Mais non, regardez, je viens de le faire. Et finir plus tard. Ah non. Hop là. Oh, really? J'arrive. Ah, vous voyez, ça passe tout seul. Vous voulez pas me croire? Wahi! Oh, allez, par contre, cette partie elle est stylée. J'aime beaucoup cette partie. Elle a rien de spécial, mais j'aime beaucoup cette partie. Oh! Une planque de traceur nocturne. Tout là-haut? Et donc? La musique elle a repris quand je suis reparti. Attends. Ah non, merde, il faut que j'analyse un truc. Ah non, attendez, regardez. Et ça repart. Trop bien. La musique qui s'adapte. Ouais, j'arrive, petit conteneur, j'arrive. J'arrive, petit conteneur. Je te laisserai pas tomber, petit conteneur. Je te laisserai pas tomber. Wouah! Mais pourquoi?
Ok. Alors pourquoi ça m'a envoyé en bas comme ça? Oh, cherche pas la logique. Je pense que c'est les gens qui ont fait la tour il y a quelques années. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais j'avais un plan. Un plan. Mais tu l'as raté, mon grand. On pourrait vraiment activer cet émetteur. Ouais. Comment? L'armée contrôlait cette tour. J'ai un émetteur capable de pirater leur signal et de prendre la main. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est activer l'antenne du secteur. Ah, il va falloir que je choisisse. Avec quel camp je me mets, c'est ça? Attendez, je l'ai mal pris. Ah, ça. En vrai, le grappin est un peu galère des fois quand même. Hein. Le jeu est un peu galère des fois quand même. Hein. Le grappin, genre, faut que tu sois vraiment à une certaine hauteur, sinon c'est trop bas et tu peux pas l'avoir. C'est étonnant. Voilà. Trop bien. Oh. Et ils ont eu... c'est une zone sécurisée. Bon. Après, frérot, je vais pas te mentir que... être là où on est, c'est une zone safe. Hein. Y a pas de zombies qui peuvent venir ici. Hein. Sauf si vraiment ils sont. Ah voilà, faut pas être con non plus. Hein. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Bon bah allons-y. Hein. Oh oui. Oh la petite. Oh la petite zone du GRE sur le toit là. Oi. Oh oui, il y a des trucs là. Cassette. Délibération du Conseil de l'Humanité. Numéro 2. Ah, mais il fallait... Ça, c'est pas un truc spécial. La barbare. Une épée à deux mains. Légendaire. Oi. Non mais attends. Me dis pas que c'est pas un easter egg, ça. Me dis pas que c'est pas un easter egg, ça. Non, c'est pas Excalibur, non, il y a des os. Des os, c'est... On récupère... Je pense qu'on la récupérera pas. Le jeu se passe 15 ans après le premier, ouais. On est en 2036. Brassard de Fauconnier. En légendaire, le jeu. C'est l'épée de Conan, ça? Non. Attends. Conan le barbare. Non, c'est pas son épée. Non, ça, bah c'est l'épée de Conan, elle ressemble pas à ça, quoi. Si, c'est l'épée de Conan? Ah ouais? Arme digne de roi, témoin de l'histoire, flambeau de chevalier. Bah je vais vous croire hein, du coup hein, mais... Mais ok. Si c'est l'épée de Conan, eh bah pas mal, petite historique trouvée en plus, let's go. Tout ça parce que j'ai fouillé une zone et j'ai pas rushé la fin de la quête. Bah ouais les gars. Ah, out of case, the Conan the Barbarian Sword. Bah let's go. Eh bah de rien en fait, je vous ai fait un tuto sans même vous proposer un tuto. C'est ces tutos-là qui sont les meilleurs. Proposer un tuto sans proposer de tuto. Ça, c'est un true gameplay, ça. True gameplay skill. Ah, et du coup, l'ascenseur nous amène ici. C'est classe, quand même. Hein. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ah, mais où ça, exactement? Ah, mais attends, mais c'est là-dedans? J'ai pas pris? Pas du tout. C'est ça que de base on cherchait ça quoi. Ah! On peut passer ici aussi. Salut Oximus. Putain, mais il est où le conteneur d'inhibiteur? Attendez, moi je veux le conteneur d'inhibiteur. Hein. Il a l'air d'être sur le bord. Non, même pas.
Ça c'est, ouais, ça, c'est le parachutage que je dois récupérer. Non, mais il est où le compteur d'inhibiteur? Il est là mais en dessous. Oh non, me dis pas que j'ai oublié un compteur d'inhibiteur dans le bâtiment. C'est la fête. Ah là, juste là. Allez, let's go. Quoi, c'est qu'un seul? Oh non, ça devrait être une triple là. Non, foutez de ma gueule, ça devrait être une triple là. Ça dégoûte. Ah, si j'achète pour le sixième mois, merci beaucoup. Oh, ça dégoûte. Allez, ouf. Oh, ça dégoûte. Attends. Faut aller la chercher, cette caisse, hein, pourtant. Mais bon. Même quand t'es vaillant dans le jeu, t'es pas récompensé, quoi. Tu m'emmerdes. Ben oui. Fais que râler depuis tout à l'heure. Je vais pas être heureuse deux secondes. Ah bah apparemment non. Bon. Bah dommage du coup. C'est la Rizuka. C'est les barres de Val. Ouais, les musiques du jeu sont ouf hein. Empêche ton travail. Ok boy. Ah, boum! J'ai trouvé l'émetteur. Et maintenant? Bien. Bien. T'as juste à utiliser l'interrupteur. Oh non. Ça a marché. Super. On a rien fait? Écoute, je me disais, Radio Nouvel Espoir, c'est encore possible. Mais c'est à toi de voir. Oh non. Juan obtient ce qu'il veut. Et il me donne ce dont j'ai besoin. Comment trouver Mia? La vérité sur elle. Parfois, il arrive que nos choix nous dépassent. Parfois, ce qu'on fait, ça veut dire quelque chose. Je vais pas essayer de te convaincre. T'as allumé l'émetteur. C'est toi qui choisis. Alors, d'un côté, on a Franck, le mec bourré qui nous déteste depuis le début. Qui bizarrement nous aime bien depuis qu'on monte. C'est-à-dire qu'il nous aime bien depuis qu'on a un intérêt pour lui. De l'autre côté, on a Juan, qui adore le sexe et qui a l'air d'être un gars de parole. Donc désolé, Franck, mais va te faire enculer. Désolé, Franck. Je dois la retrouver. Ta vision de l'avenir me plaît bien, mais je dois trouver ce toubib du GRE. Je vois, Aiden. Mais Franck, tu m'aimes pas depuis le début. Terminé. D'où tu fais la chialeuse, Franck? Tu m'aimes pas depuis le début? Va te faire foutre, non? C'est quoi cette histoire? Il faut juste que je relie le micro à l'émetteur. Ça m'emmerde, elle. Aiden? C'est fait, Matt. L'antenne fonctionne. Bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est du bon boulot, fiston. Rove. Let's go. Et les gars, ils sont pas morts pour rien. J'ai pas oublié, Aiden. On se voit bientôt, dès que les ascenseurs seront réparés. Ok. Juan, j'ai fait ce que tu voulais. T'as pris la bonne décision. T'as préféré le bon sens et l'empathie au mirage fasciste. Ah! Et pour ta part du marché? J'ai pas oublié, Aiden. Je te recontacte bientôt. J'espère bien, ouais. Bon, je crois que je me suis fait baiser quand même dans l'histoire, mais... Mais bon. Oh, petite cinématique. La mission des pacificateurs est de servir la ville et d'exterminer les infectés. Vous en avez assez de l'anarchie? Vous croyez en l'ordre? Il est temps pour vous d'agir. Rejoignez les pacificateurs. La clé pour ramener l'ordre dans la ville, c'est peut-être vous. Engagez-vous dès aujourd'hui. Bon après, ça montre qu'on est... En fait, ce choix-là, c'était vraiment choisir est-ce que tu vas être du côté survivant ou pacificateur du coup. Mais du coup, moi j'ai choisi pacificateur. T'as réussi. Ah bah tiens. Hey, c'est bon de te voir aussi.
Ne recommence plus jamais ça. Hey, ça sort d'où ça? Tu m'en dois une. Ah bon? Eh, c'est un bon coin, Lawan, pour... J'ai failli perdre une semelle à essayer de te rejoindre. Pour discuter. Désolé. Désolé. J'ai cru que j'allais devoir gratter tes tripes sur le trottoir et tu me dis que t'es désolé? Lawan, j'arrive pas à y croire. Tu te fais vraiment du souci. La ferme. Je viens de te le dire. Tu m'en dois une. What, c'est pacificateur? Oui, j'ai pardon. J'ai niqué oui. mes godasses. Je sens carrément les cailloux sous mes pieds. Il m'en faut une nouvelle paire. Ouais, c'est pacificateur et Franck, c'était survivant, oui. Oui, c'est ce que j'étais, ce que je m'étais dit, enfin, ce que j'avais compris, j'ai du mal à l'exprimer. Il m'en faut une nouvelle paire. Plaisante. Tu veux aller trouver des nouvelles baskets, maintenant. C'est quoi, c'est une blague? Ah! Est-ce que j'ai l'air de faire des blagues? Bah apparemment, ouais. Lawan, qu'est-ce que... Oh, merde. Oh, bébou. Oh oui. Lawan, s'inquiéter pour quelqu'un, c'est pas un signe de faiblesse. Tu peux au moins me dire où tu vas? J'imagine qu'il n'y a pas des masses de magasins de chaussures dans le coin. D'accord. Je connais un endroit. Il y reste encore peut-être quelques-unes de mes affaires. Je croyais que tu gardais tout au fichaille. Mais c'est pas là qu'on va, hein. S'il te plaît, ferme-la et suis-moi. Super. Ah bah elle a disparu, ok. Très bien. Bon bah du coup on a choisi les pacificateurs, mais d'un côté... En fait comme j'ai dit, moi principalement mon gameplay, quand je fais un jeu la première fois, c'est que je joue logique. C'est-à-dire que là par exemple Franck il nous a haï tout le long du jeu, et bizarrement... La pub. Hein? Avec quelle chaussure? Ah j'avais pas fait gaffe. Il nous a pas aimé de tout le jeu. Et là, bizarrement, quand on est sur la tour, dans la mission qu'il a foiré dans sa vie... Mec, en fait, moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais fait ça pour faire une radio, en fait. Donc tu veux pas mettre la radio? T'sais, finalement, je t'aime bien, tu sais. Tu sais, quand j'ai dit que c'était une sous-merde, Aiden, je pensais pas, hein. Connard. C'est bon, aussi. Ah, mais remettez pas de la pub quand les gens ont eu de la pub. Putain, mais quel enfer. Ah, vous êtes pas des bons marketeurs. Hein. Bon. Bah, avant d'aller aider l'autre, il y a ça quoi. Il y a un parachutage à récupérer. Donc allons-y. Est-ce qu'on peut se re-TP sur la tour ou pas? On peut pas. Ah! Ça va, j'aurais bien. Bref. Je dois te dire un truc. Quoi? J'ai pas donné la tour à Franck. Ouais, je sais. Tu veux retrouver ta sœur, c'est ça? Ouais. T'as fait ce que t'avais à faire. Ouais. Je veux juste récupérer mes baskets. Ouais. On va faire ça dans l'ordre. Elle va récupérer ses chaussures? Comment ça? On te les a piquées? Lawan, si tu savais où elles étaient, pourquoi t'as pas été les chercher avant? Ah, y a un truc à faire dans les tours. Oh, really? Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ah, bah, c'est juste là-dedans en plus. Nice. Voilà. Technologie militaire, inhibiteur. Oh, let's go, quoi. Hop, hop. Ouais, c'est mieux que rien. Putain, il y a vraiment une mission. Il y a vraiment un truc à faire avec ça. Tu te fous de ma gueule? Oh! Je peux pas ne pas laisser. Enfin, je peux pas laisser ça, genre. C'est pas possible. On est d'accord, hein? Oh putain. Allez, let's go. 80 mètres de câble. Je pense que c'est là. Ça m'attendait pas que ça soit là. Ça sert à quoi les inhibiteurs? Ça améliore la santé ou l'endurance. C'est les vaccins, si tu veux. Nous, on est à la troisième dose. Eux, ils en sont à la... Enfin, il faut qu'ils en prennent tout le temps, quoi. Je sais pas si c'est là que je dois aller ou si c'est là-bas. Non, en vrai, vu la distance, c'est là.
Ok. Par contre, je fais comment pour descendre sans me péter la gueule, moi? Oh l'erreur. Oh l'erreur. Ah c'est bon. Le truc c'est faut pas que je tente trop le câble parce que sinon après ça va faire n'importe quoi. Vu que le câble a tendance à se bloquer. Bon du coup c'est en dessous directement. Alright. Ok juste là. Et what? Ah. Ah oui là. Fixer cap socket, c'est bon. Hop. Ok. Donc j'ai. Ok. Donc là ça a allumé celui-là. Faut que j'aille. Ok bon, marqué socket aussi. Ah bah je me doute bien on le sent, t'inquiète hein. T'inquiète. C'est pour ça qu'on est là. Le problème c'est que je sais pas comment. En fait je sais plus Je sais plus si c'est haut ou pas les. Attends, j'ai 48 mètres. Ouah, ah, faut que je tourne de l'autre côté. Non, le câble. Quoi? Ah. Houston. Houston, I have a little problem, Houston. Can you help me, Houston? Ouais. Oh. Bon bah je suis foutu. Ok, on va le refaire parce que... Ouais, vas-y tromper le bouton. C'est bon. Bon après je l'avais grimpé à main à... Je l'avais grimpé au parachute donc ça se refait hein. Attends. Partons de là-dessus. Est-ce que je peux grimper à partir de là? Oh putain ouais mais c'est haut. Salut Fazo Gris. Ce grappin est toujours aussi grec que toi. Non. Ah non, clairement pas. Clairement pas, le parachute est bien plus cheaté. Hein. Non, le grappin a pris un gros nerf. En fait, maintenant, c'est pas un grappin, c'est juste une corde pour se balancer. Donc, non, malheureusement. Le grappin a énormément perdu sa superbe. C'est bon, c'est comme ça. Hein. Oh, les FPS. Je crois que c'était là. Pas du tout. Pas du tout. Donc faut chanter. Ah oui d'accord, je suis plus bas. Oh merde. Alors j'ai commencé un truc, faut le terminer. Hein. On a commencé quelque chose, faut le terminer maintenant. Parce que notre perso n'a jamais utilisé de grappin Oximus. Donc c'est logique qu'ils savent pas s'en servir. Ah non, j'ai fait un tour sans avancer. Let's go. Oh, let's go. Ok. Ah mais on peut cheese comme ça alors. C'est quoi? Je joue à un jeu vidéo. En fait, c'est un... En fait, le principe de jouer à un jeu vidéo, c'est qu'en fait, t'es sur ton PC et tu joues à un jeu et tu te divertis. Après, si tu parles pour le jeu en lui-même, bah je suis en train de grimper à un bâtiment. J'essaie de grimper à un bâtiment. J'arrive plus à grimper. Je n'y arrive plus. On va essayer de prendre de la hauteur avec ça là-bas. En vrai, ça, je pense qu'il y a une utilité à ça. Hein. Les trois trucs pour ta base là. Je suis sûr qu'il y a une utilité. Hein. Genre, c'est dans le bâtiment là, tu vas pas me dire que ça n'a pas d'utilité.
Bon bah j'ai pas le temps, moi je dois grimper dans cette tour. Donc il faut que je rateigne, faut que j'arrive à atteindre ça, en gros. Voire même un peu plus peut-être. Putain, vache. Faut pas se rater hein. Bah si pire, mais je ne peux que me balancer, je peux pas me tirer dessus. C'est ça le truc. C'est pour ça, ne voyez pas le grappin du 2 comme le 1, hein, parce que ça n'a rien à voir. Hein. Ok, c'est là. Il y a la boîte qui est là. Ok. Tourne un peu plus. Tourne un peu plus. Ah putain! Mais ça du coup c'est le truc que je dois atteindre actuellement. Donc là il faut que je continue à remonter. Mais là au moins j'ai un... Là au moins j'ai ça pour grimper. Bah non Benji. Eh non mais si je le fais pas les gars. Oh. Alors. Vous notez bien que si je le fais pas c'est que je peux pas le faire. La roulade. Oui, ça c'est mon gars ça. Ok. Donc le plus simple. Parce que voilà, j'ai 50 mètres de câble, mais est-ce que je peux pas tenter un bail là par exemple? Est-ce que je peux pas tenter de grimper de... Ou alors je fais la suite directement? C'est loin quand même hein. Putain mais d'accord. Ok. Donc on peut pas atterrir sur ça. Oui il est améliorable mais pour l'instant bah je... Vu qu'actuellement je suis bloqué dans cette histoire là. Ça va être compliqué. Non. Merde. Non. Putain j'aurais pas dû faire ça. Donc ça va. Ok. Ouh. Putain mais c'est un enfer ce truc. Oh, c'est un enfer par contre. Ok. Donc en fait, il faut que j'arrive à descendre là, mais du coup. Oh putain. Ok, faut que j'a... Ok, j'ai vu où faut que j'atterrisse. Mais est-ce que je vais pas mourir en sautant? Est-ce que j'ai pas un booster, j'ai pas un truc qui me permet de prendre moins de dégâts de chute? Non. Merde. Ou alors je fais ça et j'utilise le grappin au dernier moment. Comme ça. Ok. Ça va, j'ai réussi, j'en ai rien à foutre, j'ai réussi. C'est bon, voilà, ok, on passe au prochain. Les genoux sont pétés, mais plus important c'est qu'on a réussi. Alors, combien de distance de câble? 200 mètres. 100 mètres, ah. Ah bah faut que je descende là quoi. Ok. C'est bon, ça je l'ai. La corde est un petit peu tendue. Ok, c'est encore plus bas. Mais je vais pas avoir assez de distance. Oh, let's go.
Call of Juarez. Ah non. Ah, ça me fume. Ah. Quoi? Utiliser, c'est quoi? Avec un cœur. Lettre des... Oh, trop bien. La lettre des développeurs. Trop marrant. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci de nous avoir consacré votre temps. Il nous a fallu beaucoup de temps et de patience pour en arriver là. Mais attendez, je vais retirer la cam. Mais cela nous a beaucoup appris et donné de la joie. Il y a eu du doute, mais surtout beaucoup de force. La force de ceux qui se sont donnés corps et âme. Nous vous sommes très reconnaissants et espérons que vous êtes bien amusés. Ah, oh, incroyable! Trop bien! Trop mignon! Symphonie de Dying Light. Ah, oh, c'est trop bien! Ah, oh, c'est fou! S'asseoir près du feu de camp. What? Ah, c'est fou. Oh, j'ai été Duckhead. Oh non, bah... La baguette magique. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est quoi la baguette magique? Bim bam boum et tout le monde est mort. Magie. Quoi? Hellraid, ah le meilleur DLC bien sûr. Le meilleur DLC Hellraid, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La hache de la route. Ah! Oh mais c'est l'arme qu'on voit dans le DLC qu'on a eu. Oh Charlize! Putain. Alors. Expliquons ce truc. Dans Dying Light 1, il y avait un DVD qu'on trouvait partout qui s'appelait Charlie 1. Et en fait, ils ont fait Charlie 2 dans le jeu, dans le deuxième jeu. Ah, oh, c'est fou. Ça sort près du feu de camp. Bah, attendez, je. Une statue de Call of Juarez. Ok. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas eu peur. D'accord. Ok. Oui, évitez les spoils, s'il vous plaît. D'accord. Les nounours. Arrêtez. Là. Ouais. Ok. 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 Ça va de plus en plus vite. Oh, ils auraient dû mettre un zombie qui te regarde. C'est qui comme ça, qui te regarde. Oh, ça aurait été incroyable. C'est tout ? Ah. Wouah! C'est leur nouveau logo? C'est leur nouveau logo, je pense. Wouah! Il y a un... Trop bien! Il y a un blueprint! Moi, j'aurais vraiment aimé avoir un zombie qui te regarde dans le coin. Vraiment, ça aurait été trop marrant. Ça aurait été horriblement flippant, mais ça aurait été marrant. Ah. Le doigt gauche de Glova. Oh, c'est un flingue. D'accord. J'ai pas la rêve de Glova par contre. Peut-être dans Call of Juarez. Vu que c'est une arme. 369 de ferraille. Putain la vache. Appartenant à une créature mythique, c'est ça, ouais. Glova, c'est dans le 1. Ça me dit rien. Glova. Dans le 1? Mais je sais pas, Glova ça me dit rien du tout dans le 1. Bah, asseyons-nous ici du coup.
Bah c'est bien. C'est le Vax World. Ok, bah j'ai rien à faire ici du coup. C'est la 6 Force. Ah mais cette histoire est incroyable par contre. Hein. Tu restes assis. Parce que c'est des easter eggs, donc je suppose qu'il y a un truc à faire, mais... Ah. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit où on doit s'asseoir spécifique ? Genre là par exemple ? La musique est folle. Donc qu'est-ce que j'aurais oublié du coup ? Y'a rien avec ça. Y'a un truc que j'ai foiré, non? Enfin, un truc que j'ai pas eu. Oh, putain, mais au secours. Si le mec il a un appart comme ça en vrai, putain la classe hein. J'aimerais bien avoir pareil hein. Bah, c'est bien, où est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré un plan pour une arme qui a l'air forte, on a récupéré la baguette magique. Qui assure... Ok. Il y a un truc. Allez s'asseoir ici. Voilà. Donc quoi, fallait choisir le bon pouf. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh la machette correcte. Ah. Ah les bonnes. Ah non pas du tout, c'est un plan toujours. Ah fait chier. Ah non mais je pensais que c'était la machette correcte. Bah non. Comment on le craft du coup? Cybermain. Merde, elle est où le plan de la machette correcte? Bon. Ah, la musique est incroyable. Est-ce que je peux genre modifier et mettre ça là-dessus? Ah oh, nice! Plus 500 durabilité! Ah donc c'était ça le truc qu'on me disait qu'il fallait que je récupère pour avoir 500 de durabilité en plus. Ah donc le spoil était quand même vénère quoi. Le spoil était assez vénère quoi, enfin ouais. Du coup ici y'a rien. On essaye vite fait hein. Non ici c'est juste un plan. Ah oui. Et du coup je peux mettre ça sur toutes mes armes en fait. Eh ben, yes! Let's go! Hein. Let's go, let's go! Eh ben, belle histoire! Belle histoire! Hein. En plus, il est bien chiant à faire avec tous les trucs d'électricité qu'il faut amener. Belle histoire! Non, franchement, t'as une très belle histoire! J'aime bien! Gore et sac chaise. Bah non mais j'ai fait tous les sièges, j'avais rien. Bah si j'ai raté quelque chose, dommage. Hein. Mais très belle histoire. Franchement je m'attendais pas à ça. M'attendais pas à ça du coup ça fait plaisir. Ça fait plaisir en vrai.
J'ai récupéré tous les parachutages, ouais. Et juste ça, je sais pas ce que c'est. C'est en bas, on s'en fout. Ouais, c'est en bas, on s'en fout. Mais... Ok. Oh, il faut que je grimpe, moi. Chaque fois, j'oublie. Là ? Ah. Salut Fioban. Ok. Eh ben ouais. Bah ouais. Bah nice hein. Content de la trouvaille. C'est une très belle trouvaille. C'était très étonnant. Étonnant et très agréable. Non franchement très agréable. Mais ça va, Fioban, ça va. On va avoir un bel easter egg. Ok, bah j'ai rien à faire ici, moi. Ah, là ! Parachutage. Il est où ? Il est tout là-haut ? En vrai, il y a un monde où on le fait, hein. Il y a un monde où on l'attend. Il faudra, faudra que je prenne ça en dessous, après. Le moulin avant. Non, il y a un monde où on le fait. Hein. En plus, il y a plein d'étages qui sont accessibles. Oula. Oui, en plus, c'est un extra que j'ai trouvé tout seul. Hein. Ah, mais il faut qu'on aille là. Bah ouais, mais j'arrive, hein, mais deux secondes. Hein. Oula, oula. Oula. Attends. Hop là. Rien ici. Impression. Là-dedans. Nope. Que dalle ici. Non, je pense que l'inhibiteur il doit être dans, dans le parachutage en haut. Hop. On prend l'endurance, on prend ça. Et on y va comme ça. Mais je sais bien. C'est pour ça que je regrimpe. Je sais bien. C'est pour ça que je regrimpe. Oh merde. Merde. Ah je fais nimp. Ah nice. On récupère l'endurance. Ok. On y va tranquille. Voilà. Prochain. Boom. Ok. Pas de malaise. Pas de malaise. Voilà. Voilà. Et le prochain, c'est bon. Merde, je fais trop tôt. On va y arriver, je vous le dis. Je suis en train de m'étouffer. J'arrive pas. Non, mais je suis un putain de nu. Je suis naze. Je suis naze. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de naze. Et putain, mais deux fois de suite. Oh, y a du monde ici. Oh oui. Ouais. Comment des zombies peuvent survivre dans une salle aussi vide avec rien à bouffer? Ils se bouffent entre eux?
Tiens. Essayons la baguette magique là. La fameuse. Ah bordel. On va évidemment mettre ça. Est-ce que je peux mettre ça sur toutes les armes? C'est débile. Je comprends pas l'utilité. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc avec la baguette, mais Bon. Let's go. Ça tape plus. Je sais rien, je spoil rien. Si je me spoil pas, je peux pas te répondre. Autant mettre des coups de pied comme ça, hein, ça les tape tous. Hein. Et bah voilà. Alors pourquoi il y avait une salle avec plein de zombies ici? Juste comme ça? Il y avait rien de, il y avait rien à récupérer? C'est un peu triste. Eh ben on repart hein. Et je peux pas la récupérer cette arme là. C'est une arme de challenge. Donc ça veut malheureusement dire que c'est pas une arme que je peux récupérer. Ok. Hop. Voilà. Et si je fais pas le con, le prochain c'est bon. Pas le prochain, mais le prochain. Ah, let's go! C'est bon. Wouh! Eh ben. Tout ça pour un inhibiteur, ça dégoûte quoi. Et boum, 2500 de pas de parcours. En plus, j'ai un point de parcours à mettre. Double saut. Sautez plus haut lorsque vous franchissez des obstacles. D'accord, vas-y. Et du coup, on va augmenter l'endurance. Ah. Eh ben c'est bien. C'est bien. Maintenant, faut avancer. Il y a un truc sur le thermo 2 là. Ah non. Enfin, il y a peut-être un truc, mais on l'a pas vu, mais ça m'intrigue. J'ai eu ça me grappe. Hein. Oui, je l'ai eu. On l'a eu, ça y est. Et du coup, oui, pour répondre tout à l'heure, oui, à la phrase, oui, c'est le jeu est bien plus vertical, oui. Bah, c'est pour ça que le parachute est incroyable. Là. Il y a un petit truc là. Hop là. D'accord. Alors c'est que de la déco, ça dégoûte, moi qui pense avoir trouvé un truc. Non il est pas aussi utilisé que dans le 1, sinon je m'en servirai actuellement à chaud, je vais pas te mentir. Si tu vois que je m'en sers pas actuellement, c'est que j'ai pas besoin de l'utiliser puisqu'il est pas bien. Oui c'est un lance-liane en fait, c'est pas du tout le grappin du 1. En même temps, logique, le grappin du 1 était complètement pété donc
C'est pas étonnant qu'ils l'aient pas enfin qu'ils aient changé un peu. Ah mais c'est logique, soyons logiques, c'est normal. Ah j'en sais rien, t'as qui je t'avoue que ça me dit rien. Conteneur d'inhibiteur détecté. Oh quoi ? Conteneur d'inhibiteur à proximité. Quoi ? Quoi ? Mais où ? Attends. J'arrive, j'arrive là maintenant. Là ? Ah non. Oh non. Est-ce qu'il y a une fenêtre par laquelle on peut passer ? Attends, il y a un conteneur d'inhibiteur, merde ! Pas le laisser tout seul, quand même. Conteneur d'inhibiteur détecté. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Et je sais qu'il y a un conteneur d'inhibiteur à proximité, mais je le trouve pas. Ok. Bon allez, hop. Salut Lawan. Au revoir Lawan. Ah bah non. Pourtant c'est ouvrable. Hein. Bah attends, faut peut-être avancer avec Lawan. Tu vois cette ouverture ? Ah oui, je l'ai vu, ouais. Appartement 216. Oui, je l'ai vu, ouais. Va me chercher une grande boîte rouge avec liseré doré. C'est là que j'ai rangé mes chaussures. Tu viens pas avec moi ? C'est ta faute si j'ai pourri les miennes. Va m'en chercher d'autres. Tu entres, tu prends les godasses, tu sors. Let's go. Et tu touches à rien d'autre. C'est pigé ? Hey, tu me mets le doute, Lawan. Qu'est-ce qui se passe ici ? Va me les chercher, c'est tout. T'es monté au sommet de cette putain de tour télé. Tu peux bien aller dans un appartement, non ? Tout dépend de ce que je vais y trouver. Oh là là. On va tout fouiller. Très bien. Poule mouillée. Très bien. Elle prépare un truc. Vous allez voir, elle prépare un truc. Je le dis, elle prépare un truc. Je le sens. Y'a même pas de zombies ici. Conteneur d'inhibiteur à proximité. No shit. Je suis à l'intérieur. Ne touche à rien. Tu prends juste les chaussures. Y'a quoi ici? Qui te fout les jetons comme ça? Elle m'a dit tu touches à rien. Elle m'a dit tu touches à rien. Elle est folle. C'est cosy ici. Ah ok. C'est cosy ici en anglais, c'est home sweet home apparemment, ok. Mikasa et Tsukasa aussi non peut-être? Ah mais je touche à tout hein. Eh, je t'avais dit de toucher à rien. Non, ça, ok, elle s'en fout ça. Tes bottes pour homme. Ah ah. Cool. Je me demande si ça marche. Y a une cassette avec le marqué Lawan dessus. Hein. Notre mixtape. C'est pas... C'est pas la Lawan que je connais. Moi si j'ai le droit de la prendre, j'écoute. Hein. Ah, ça allait bien avec. Ça va être full copyright. Mais j'en ai rien à foutre. Ça va être vous le copyright. Wow, Lawan. Pas mal du tout. Ça y est, tu les as trouvés ? Je suis désolé, je vois aucune boîte rouge. Ah là. Crétin, tu cherches pas où il faut. Il y a une autre pièce derrière le contreplaqué.
crétin. Moi crétin. Ok. Moi crétin, c'est mal me connaître. Demande à mes potes si je suis crétin. Tu verras ce qu'ils vont te dire. Oh, c'est Franck. La One ? T'as l'air presque heureuse. C'est Franck. Ah, donc elle m'a dit ça en mode moi c'est Franck. Toi tu dégages, je pense que c'est ça qu'elle a voulu me dire. Un joli petit nid. Tu partageais ça avec quelqu'un. Est-ce qu'il vit toujours ici? Scott Stark. Tu m'emmerdes avec tes questions. Oh, y'a personne qui vit là. Trouve juste ces putains de chaussures. Et pourquoi elle me déteste comme ça, merde? Pourquoi larguer tout ça pour ce trou à rat du fisheye? Parce que ce trou à rat, c'est chez moi. J'ai pris ce dont j'avais besoin. Sauf les chaussures. Les chaussures. Alors, un trombone. Alors, est-ce qu'on va se faire... Elles sont dans les chaussures, non? Oh bah... La One, je te prends ça, t'en as plus besoin de toute façon. On dirait que ça fait un bout de temps qu'elles sont là. Pas l'arc. J'ai une arbalète. J'ai une arbalète. Tu crois vraiment que je vais prendre un arc? Bon, je peux prendre pour le vendre, mais. Par contre, des chaussures rouges. Oh. Vintage 2025. Une petite fortune en bouteille. Vintage 2025? Ah! Les chaussures! J'ai trouvé les chaussures! Et là, il y a une bombe. À la plus bolos. Hé, hey, Lawan, j'ai trouvé tes chaussures. Super. Maintenant, casse-toi de là. J'ai trouvé tes chaussures. Oh, dommage. C'est un joli petit nid douillet avec le vin, la vue et la musique. Je découvre une toute autre Lawan. Ta et gueule. Tu sais quoi? Qui que ce soit, je comprends ce type qui l'a aimé. Va te faire mettre, Aiden. Et je voulais pas... Lawan, attends. Va te faire mettre. Akon? Oh, c'était Akon. Oh, sale connard. Aux fugaces instants, l'amour résiste ainsi. Ils étaient ensemble. Les jours derniers seront pour lui les plus grandioses. Oh non. Oh merde, Lawan. Oh non. Oh non. Oh non. Lawan était avec Akon, le chanteur. Oh non. Mais non. Mais non. Oh la vache, tout est si clair désormais. Clear as rock water. Hey Lawan. Lawan, t'es là? Me parle plus. Allez, je voulais pas te vexer. Retrouve-moi sur le toit. Montez à toi-moi. Tu me donnes mes chaussures. Et tu te barres. Tu te barres. Pas étonnant que tu viennes ici quand t'es énervé. Bonne ambiance, en tout cas, ça fait giga plaise. Nous, on est là, on veut juste être super sympa avec elle. Et elle nous dit, tu me files mes chaussures et tu te barres. Super. Ça, c'est convivial, en tout cas. Et là, spoiler, il y aura Akon. Désolé du spoil, hein, mais y aura Akon. On va dire, mais non, Akon, salaud, je te casse la gueule. Non. Attends.